Salut à tous. Bienvenue. Bienvenue officiellement au Yellow Seats. Yellow Seats, baby. Je me présente, Rey Antonio. Alexis Jack Juarez. That's it. Elle de la plancha en d'autres mots. Elle de la plancha. Vous allez comprendre celle-là. Exact. Vous allez voir à quoi ça veut dire. Donc, ça, c'est numéro un. Officiellement numéro un. On a discuté de ça plusieurs fois. Et la crise a fait en sorte que, tu sais quoi, on a bâti quelque chose. On a bâti cette structure-là et on va la mettre efficace dès maintenant. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Number one, on va commencer très lourd. C'est une introduction. Ouais, une introduction. Donc, apprenez à nous connaître en premier, tu sais, c'est comme on vous dit qui on est. Ouais. Pour ceux qui ne nous connaissent pas déjà, je pense qu'il y a déjà des personnes tu sais, qui vont nous voir, là, qui nous connaissent. Ça, déjà, c'est qui, tu sais, comme, oh shit. Je pense avec toutes les posts qu'on fait et tous les Instagram live qu'on a fait dernièrement. Les gens, ils savent qui nous sommes, mais ils ne savent pas qu'ils sont faits ici live avec les Yellow Seats. Les Yellow Seats, vous allez comprendre, pour les fauteuils jaunes. Les fauteuils jaunes. Pour la loi 101. Pour les Québécois. Ouais, le coup. Il ne faut pas qu'ils viennent nous chercher comme, hey, c'est la quoi ce nom-là? Oui, voilà. Oh, ben, ici, on est des eaux, dans les eaux internationales, sur les Internet. International. Bon, OK. Moi, je vais commencer par... Moi, je pense que ce serait bien qu'on échange un peu de questions. Puis justement, j'ai amené... C'est des petites questions qu'on pose. La fondatrice de celle-là, c'est... Je l'avais tantôt, je vais l'ouvrir. Bon, la fondatrice, c'est Madame Sophie Brochu. Donc, elle fait des petites boîtes comme ça. À l'intérieur, il y a différentes questions. Puis ça fait... Je pense qu'il y en a un pour ton anniversaire. C'est les autres anniversaires, tu peux poser des questions. Okay. Ensuite, lui, si je l'ai amené, justement, lui, c'est bienvenu dans l'équipe. Donc, justement, on forme une équipe aujourd'hui. Donc, on va poser quelques questions. Puis, on va voir comment les gens vont tranquillement apprendre à nous connaître. Donc, je pense qu'on avait sélectionné quand même une couple de questions en avance. Donc, si tu me passes les pastilles, on va montrer. Ça, c'est intéressant. Donc, bienvenue dans l'équipe, Sophie Brochu. Quelque chose qu'on veut mettre en avant aussi. Ah ouais, vas-y. On veut promouvoir de qu'est-ce que vraiment, qu'est-ce que fait notre environnement, les business. On veut promouvoir aussi vraiment les talents locaux, québécois. C'est pour ça qu'on a décidé vraiment de... Commencer avec ça, avec bienvenue l'équipe de chez Sophie Brochu. Regarde, on n'est pas payé pour rien de ça. On va juste parler, discuter, très amateur. Je pense même pas qu'elle nous connaît. Hein? Non, elle nous connaît pas. Donc, salut Sophie. Salut Sophie, tu vas nous connaître après ça. Ouais, grâce à ton questionnaire. Sophie, on va voir qu'est-ce qui passe dans ta tête. Parce que je pense que tu es une professionnelle. Tu as l'air vraiment, comme ici tu décris, créer des connexions humaines authentiques. Fait que je pense que tu es dans le domaine plus ressources humaines. Consultante, ressources humaines, motivation, connaissance de soi. Ouais. Psychologue? Psychologue. Peut-être. I don't know. Mais dans le fond, c'est vraiment... Dans le fond, tu positionnes à essayer d'orienter l'équipe, à comprendre l'équipe, à un esprit d'équipe, comment une équipe fonctionne. Vous allez voir aussi, c'est une excellente initiative que tu as prise, ça vient d'Alexis, de vraiment amener ce petit truc-là, parce que vous allez, en nous connaissant, nous deux, on va se poser des questions, qu'on va sûrement découvrir certaines choses entre nous qu'on ne connaît pas encore. Et vous allez apprendre à nous connaître en même temps. Puis pour les curieux, il y a son site web. Ouais. Qui est www. C'est quoi son site web? C'est www.ilovehappymoments.com. Ilovehappymoments.com. Sophie Brochu, bienvenue dans l'équipe. Toi, tu fais l'équipe maintenant des Yellow Seats. Parce qu'on a le même emballage. Vas-y, go. Tu commences par la première question. Tu la poses. OK, on va aller random. C'est quoi? Random. OK, bon. Alexis. Yes. Qu'est-ce qui te passionne dans ton métier en général ou dans notre industrie? Dans notre industrie, ce que j'aime, ce qui me passionne, c'est aider les gens. Je pense que c'est une des raisons pourquoi on a commencé à faire ce podcast, à pratiquer, à discuter. C'est qu'on veut partager la connaissance qu'on a acquise, même si on est très jeune, très, très jeune. On veut partager cette connaissance de nos expériences et de nos questionnements. Donc, ce qui me passionne vraiment, c'est l'idée d'amener les gens à découvrir ou à se découvrir. OK, OK. Et mon tour ou c'est, ça continue la question? Je ne sais pas. Ben, non, okay, on va dire que tu as répondu. Qu'est-ce qui se passe okay. dans ton métier en général? Mais c'est quoi ton métier en général? Parce que ça, ça je ne l'ai pas entendu. Moi, j'ai compris vraiment les grandes lignes, les valeurs. Okay. Mais je n'ai pas compris c'est quoi ton métier, ce que tu fais là. Mon métier, je dirais que je suis gradué de l'école internationale. Je viens de l'ETS, École de technologie supérieure. Donc, c'est une université à Montréal.
ETS. ETS. Shout out à ETS, à tous les ingénieurs. Ingénieur RE aussi. Donc, je me suis gradué en tant qu'ingénieur de construction. Ben, tu ne gradues pas d'ingénieur, tu gradues comme un gars qui a fait un baccalauréat en construction. Ouais. Ensuite, j'étais junior pour l'Ordre du Québec, l'Ordre des Arts du Québec. Ensuite, officiellement ingénieur. Donc, je travaille dans le domaine de la construction. Là, les gens me demandent, ou peut-être tu te poses la question, ça serait comment tu aides les gens en construction? Mm. Donc, en ce moment, on construit la tour Voltige Panora, qui est située à Sauvé, l'Acadie. La manière que moi, j'aide, tu vois, c'est aux investisseurs de pouvoir créer, tu vois, bâtir leur vision. Donc, c'est la famille Chaïb, que je salue, des gens très aimables. Et donc, pour eux, on a construit une tour de 27 étages, juste en face de la Denise. Donc, eux, c'est moi, à travers ça, c'est pourquoi je les ai aidés, c'est à répondre à leurs besoins en faisant la construction en équipe avec des ingénieurs architectes à réaliser ce beau projet. OK. Fait que j'ai compris. C'est toi qui vas, c'est la personne vraiment qui va mettre en place, exécuter le plan, ouais, exact, la exact. Vision d'un voilà. investisseur. Je travaille pour la compagnie qui est Entrepreneur Général, qui est le groupe Module, que je salue, Fouad Gérard, un très bon leader. OK, ben, ça c'est ta passion. Là, je comprends. Voilà. Et là, j'aimerais te poser une question. Oh, quel talent ou nouvelle compétence aimerais-tu développer? Quel talent ou nouvelle compétence j'aimerais développer? Ça, ça va être un peu, je ne sais pas si ça peut sonner un peu contradictoire. Vas-y. Maintenant qu'on est en train de lancer officiellement le podcast, puis pour ceux qui me connaissent déjà, je pense que vous savez déjà que mon niveau de gêne n'est pas vraiment applicable dans les médias sociaux. Donc, regarde, je suis actif dans les médias sociaux, puis je parle aussi parce qu'il y a d'autres personnes qui vont juste s'afficher, puis pas un mot va sortir de eux. Mais le talent que je voudrais développer, puis que c'est dans mon to-do list, ça en vient bientôt, c'est pouvoir, comment je pourrais dire, public speaking. Okay, c'est vraiment apprendre à parler comme il faut publiquement. C'est une question d'être génial, tu veux juste être confortable, ou c'est quoi qui ferait comme le talent, c'est quoi? C'est les talents, c'est de bien parler, se présenter, ou juste le faire? Regarde, c'est pas une question d'être gêné ou timide. Je pense que je suis à l'aise à parler ouvertement devant plusieurs personnes. Moi, je pense que je vais le faire pour améliorer la communication. Okay. Être un meilleur communicateur, pouvoir vraiment qu'on me pose une question puis pouvoir cerner déjà la réponse. Aller direct au but, mais d'une façon facile à comprendre et d'une façon aussi que quiconque qui écoute va pouvoir comprendre. Puis je pense que, tu sais, c'est aussi derrière ce podcast-là, ce que je veux voir l'évolution de moi-même personnellement, c'est encore mieux communiquer. Puis, tu sais, devenir vraiment ça, communiquer, puis vraiment un message. Je pense que je suis capable de le communiquer, mais regarde, si je prends des exemples, il y a des grands communicateurs célèbres et connus, que tous eux, que vraiment qu'on peut regarder, qu'on peut voir à la télé, et ainsi de suite. Ben, eux, ils en ont pris des cours de... Comment ça s'appelle derrière, là? Comment t'appelles ça en français? Public speaking? Ouais, public speaking. Une bonne question, c'est... Je vais dire oratoire, le mot qui me vient en tête, mais... Mais je sais pas, mais en tout cas, c'est dans le fond, c'est ça. Là. C'est le prochain talent que je veux, que je veux développer. Donc, si aujourd'hui, je sais peut-être... Je communique pas assez bien, mais... Ça sent bien. Ouais, ça sent bon. Bien. Il y a un bon livre que justement je suis en train de lire, un cadeau de Charlotte, la présidente de New Age Spa, qui est Madonna. On m'a fait un livre qui s'appelle, lui qui l'a écrit, c'est le gars de TED Talk. Uh-huh. Et justement, il parle justement de son expérience. Lui, comme il a tellement eu de personnes en live, tu vois, il a créé l'événement en tant que tel. Mais il a participé à créer l'événement. Puis lui donne des comme, super bons conseils, genre vraiment comme comment l'écrire, que ce soit une histoire. Chercher l'émotion, deux, trois images, aller chercher comme l'accord du public. En tout cas, c'est vraiment un livre intéressant. Puis, ça pourrait peut-être t'aider aussi parce que lui, il dit même que des fois, ils ont même un vidéo qui est en live. Comme eux, c'est filmé avec le public. Puis, quand ils vont le mettre sur YouTube, ils vont changer. On va dire la fin, c'est le début. Puis, le début et la fin. Non, ouais. Parce qu'eux, ils ont vu que le monde qui vont cliquer sur YouTube puis ils vont commencer à voir la vidéo, ils vont accrocher plus rapidement avec la fin que le début.
Donc, ça arrive des fois que dans le TikTok que tu vois sur YouTube, ce n'est pas les mêmes séquences qui ont eu en personne, là, les gens qui ont participé au moment. Genre. OK, ouais, je vois le genre. C'est bon. Ben, exactement. Je pense que si, pour revenir à la question, faire un TED Talk, c'est de la préparation. C'est vrai. Tu as 20 minutes, là. Tu as comme 20 minutes pour vraiment lancer ton point. Puis, moi, aujourd'hui, je ne suis pas qualifié pour vraiment lancer un TED Talk. Ben, je vais me planter, puis je vais soit perdre le monde, soit tu ne vas pas comprendre le message. Puis, c'est exactement ça le talent que je veux développer, que je veux apprendre. Nice. Ouais, admettons. Ouais. Ah, 20 minutes de passer un message. Je pense même le fait qu'on fait le podcast, il n'y a peut-être pas un grand public en ce moment, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont finir par regarder un podcast. C'est ça, moi je pense qu'on est dans le bon chemin. Moi aussi, c'est une des qualités que j'aimerais développer, avoir une meilleure communication. Et je pense que le podcast, j'encourage beaucoup de monde à, si vous voulez faire quelque chose, ben, commencer avec des choses en parallèle, des baby steps, puis à un moment donné, on va se retrouver devant une foule. Ouais. Donc, c'est comme, moi je pense que l'objectif de ce podcast-là, c'est que je veux qu'on regarde cette tape-là aujourd'hui, l'année prochaine, la même date, 11 juillet 2021, puis qu'on voit comme, oh shit, on a évolué. Les gars ont changé. Ah, les gars, ils ont pris leurs cheveux, ils sont rasés. Là. Les gars, ils ont ah, sont plus jeunes. C'est sont plus raffinés. Raffinés, ouais. Exactement. Même au niveau du vocabulaire. Exact. Ouais, tu vois, raffiné. Ouais. Tu vois, je m'améliore déjà. C'est ça. Là. Ok, ben, je te pose une question. Ouais. Ah! Ouh, j'aime pas ça. C'est quoi? Raconte une anecdote drôle ou cocasse qui t'est arrivée au travail. Drôle ou cocasse? Il m'est déjà arrivé au travail. J'en ai plusieurs. J'essaie de voir une que je pourrais partager avec vous en discussion en live. Je te dirais que, ben, c'est cocasse. Donc. Ça serait quoi cocasse? Juste pour comprendre. Enfin, cocasse, moi, je vois comme. Et c'est drôle, cocasse. Cocasse, moi, c'est comme plus... comme futé? Non? Comme, tu sais, comme exemple, tu marches, tu trébuches, cocasse. C'est comme si c'était... je me plante dans ce que je dis, là, mais c'est comme... je te vois comme... Trop gros mots. Non, cocasse, c'est comme genre... Je sais pas, pour moi, c'est comme... C'est drôle, mais c'est comme... Une cave un peu. Une cave, okay. Mignon, gentil. OK, OK, OK. Ouais. Voilà. Ben, moi, je te dirais que... Drôle. Allez, drôle. Moi, j'essaie de penser. J'en ai des drôles, tu vois. Non, mais c'est vraiment drôle pour moi, tu vois. le travail, le job là, le job là. Ah, moi, c'est déjà arrivé que pendant un film, tu vois, je travaillais au cinéma Goudzou, tu vois, j'avais 16 ans, tu vois. Et il y avait une salle, là, puis durant le film, là, il y a eu des souris, là. Tu vois, en passant, là, les gens qui vont regarder des films au cinéma Goudzou, là, il y a énormément de souris. Lequel? C'est pas aujourd'hui, là. Non, pas dire lequel, mais c'est normal. Tu es en train de bannir tous les goûts. On va se faire bannir sur le cinéma Goudzou. C'est dur avec la prise. Est-ce que tu es capable de fermer le cinéma Goudzou? Quand je dis cinéma Goudzou, tu mets. Non? Non. Ok, cinéma Goudzou. Et tous les autres cinémas aussi, là. Tu vois? Avec tout le popcorn qui se produit, c'est des grandes salles. C'est impossible. C'est pas une question de propriété, c'est une question juste que c'est l'endroit où il y a plusieurs. Rongeurs, tu vois, qui sont faits. Puis une des salles, à un moment donné, il y avait comme, il y a une fille qui a commencé à crier panique totale, genre, yo, Christos, il me touche les pieds, puis c'est un film de peur, là. Oh, wow. Puis là, après ça, c'était. Ouais. Tout le monde est sorti en courant, il y a un fantôme dans la salle. Finalement, on avait mis comme des pièges, puis on a retrouvé comme quatre souris bloquées, là. Mais juste le fait, donc, c'est un film de peur. La fille part en panique totale, là, qui se faisait toucher les jambes, puis là, ça passe les peurs. C'est une des expériences vraiment drôles que j'ai eues. Mais tu travaillais là? Ouais, je travaillais au cinéma. Ok, ok, ok. Puis, on t'a fait, c'est vrai. Non, mais c'est ça, donc, okay. Ça c'est vraiment. Toi, t'en as-tu une? J'essaie de penser, c'est quoi de drôle ou cocasse qui m'est déjà arrivé? C'est pas évident, on dirait que. Au travail. Ouais. Toi, t'allais loin, faut que je vois si je peux penser loin. Parce que j'essaie de. Tu sais, vraiment, je pense à ça, qu'est-ce qui t'est arrivé dernièrement pour moi? Ouais. Dans les dernières années qui étaient drôles ou cocasses. Des autres jobs que j'ai eu, c'est pas, j'étais sur les chantiers, tu vois. Donc. Ouais. Les gens sont plus sérieux dans les chantiers. Ouais. Ouais, je sais pas. Il y a rien qui vient en tête. Non, on ferme une parenthèse. Okay, on ferme ça. Ta vie est plate. Yeah. Bon, je lance un défi, trouver quelque chose de drôle la semaine prochaine. Ok, c'est bon. Ça va? J'en prends avec un cette semaine. Là, j'ai une question là. On parle beaucoup des questions comme ça, tac, tac, tac. Je pense que le monde est en train de te dire,
sont en train de se dire, genre, OK, c'est bon, on connaît un peu plus. Mais ils font quoi, ces gens-là, pour vrai? So, Ray, tu me donnes-tu une petite description de ton day-to-day? Exemple, qui est Ray? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Ray? Tu vois, j'aime cette question, mais je ne l'aime pas. Je vais t'expliquer pourquoi après. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Ray? Mais regarde, OK, ouais. OK. Dans la vie, je me présente comme étant, ça, c'est mon nouveau titre. Oh! Mon nouveau titre, expert en génération de prospects. Ouh. Je suis allé ouais. Explique-nous ça. Un générateur de prospects, dans le fond, c'est dans du marketing. Fait que je suis dans le domaine du marketing web. Nice. Je me spécialise vraiment en tout ce qui est de la, surtout de la publicité. Okay. Fait que dans le fond, moi, j'aide des business à attirer des clients potentiels. On les qualifie. Puis avec un niveau de qualification, ça aide, on va dire, la business à le convertir en vente. Okay. Fait que moi, mon intelligence, ma spécialité, ce que je fais tous les jours, c'est vraiment veiller que, mettons, nos campagnes publicitaires vont aider les entreprises à vraiment chercher plus de clients potentiels. Est-ce que c'est limité juste aux réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, ou tu vas utiliser aussi des sites web, tu vas mettre en valeur Google, tout ça aussi? Ouais, ça va être Google, Facebook à la base. Mais oui, je suis limité. Je suis pas limité au web. Ok. Je peux faire vraiment, on va dire, la pub physique, comme on met sur la fiche, mais c'est pas mon créneau. Ok. C'est pas un domaine que je vise. Mais sinon, tout, je me suis dit que quand j'ai commencé à faire ça, là, en 2011. Ok. Oh, c'est récent. Récent par récent, mais quand même. 9 ans. Je suis dans mon 9 ans. Yeah, that's good job, man. La constance. Fait que, c'est vraiment sur le web, c'est là que vraiment les business. En ce moment, on est beaucoup en train de s'orienter sur le commerce électronique. Et quand tu dis « on », t'as une équipe? J'ai des collaborateurs, j'ai des personnes. Oh. La croissance commence. La croissance, c'est ça qu'on veut. Là. Yes. Il y a la bonne croissance, les résultats sont au poste. Les résultats, ça demande beaucoup de travail à faire, mais regarde, c'est ce qui permet de nous améliorer. C'est pour ça que je suis allé chercher maintenant le titre d'expert. Expert. Après 9 ans, tu deviens expert. Ouais, ça prend du temps avant parce que d'assumer, on va dire, avec confiance, expert. Puis, j'étais sur un call, un mastermind avec quelqu'un que lui, il dit, parce qu'il voulait lancer sa formation, c'est un ex. Lui, il fait du copywriting. Fait que dans le fond, pour écrire des textes, des blogs, des trucs comme ça, il est super calé sur ça. Puis, là, il voulait qu'on lui donne du feedback sur c'est quoi ton. Parce qu'il se présentait comme consultant, copywriter. OK. Puis je dis qu'il me posait ce le terme parce que je me sens pas à l'aise de mettre expert devant parce que je veux pas que les personnes pensent que je suis trop arrogant. Puis je suis comme, non, regarde, c'est parce que si c'est. T'es un expert, moi, comment tu nous parles, c'est vraiment comment mettre un beau titre, un texte, comment écrire ça. Assume ton expert. Puis je pense que ça vient le syndrome de l'imposteur. Ça se peut-tu? Ça se peut. Mais moi, je dirais, les gens qui écoutent ma vidéo, si vous voulez commenter, vous en pensez quoi? Vous? Est-ce que quelqu'un qui a acquis une certaine expérience peut s'appeler expert? Ou c'est à quel moment que tu peux être légit de dire que tu es un expert? Petite parenthèse de même. On lance ça au grand public. Moi, je pense que je l'ai acquis. J'ai commencé à m'appeler expert du moment que j'ai remarqué que mon niveau d'erreur était carrément presque nul. OK. Puis que ce que je veux dire, c'est que quand tu es en train de grandir dans ta business, ben tu vas en faire des erreurs. Ouais. Tu en fais beaucoup, beaucoup. Puis là, on a juste atteint le niveau où est-ce que je shootais une campagne, un plan que j'avais déjà en tête, puis ça fonctionnait. Les résultats étaient au poste. Et presque tout le temps. Des fois, il y a peut-être des petites choses à améliorer. Pas pour étant une erreur, mais il y a très peu d'erreurs qui sont commises au stade où est-ce que je suis rendu. Puis, quand je lance quelque chose, les résultats sont rendus presque instantanés. La satisfaction est au poste. Donc, je pense que où est-ce que c'est là que tu peux commencer à avoir à t'attribuer le terme d'expert, selon moi. Il arrive un point où tu maîtrises, ouais, tu arrives à faire des calls d'avance, puis rendu là, tu es rendu un expert du domaine. Oui, exactement. Par contre, tu sors du domaine. Dans un autre domaine, tu retombes à ce qui est apprenti. C'est pour ça que dans souvent les entreprises, à niveau comme junior, tu montes tranquillement, tu vois. Jusqu'à temps qu'on te donne le titre d'expert, tu vois. Mais quand tu es consultant et à ton compte, personne ne te donne le titre d'expert.
Mais pas à quelqu'un, c'est toi le président, c'est toi qui fais ça. Donc finalement, c'est toi, tôt ou tard, tu vas être confortable, être nommé expert. Et moi, je pense que ce qui va continuer le nom d'expert, c'est les gens avec qui tu fais affaire, tu vois. Mm-hmm. Ils vont te présenter, tu vois. Moi, quand je parle avec les gens de Ray, comme justement quand je parle de toi, je dis pas, oh, Ray va t'aider. Je dis, non, Ray, c'est un expert marketing. Il va savoir comment t'aider. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même moi, je le dis. Donc, si moi, je commence à le dire de toi, tranquillement, ben, les gens vont faire affaire avec toi. Ils vont dire, chez les gars, ils connaissent ses affaires, c'est un expert, tu vois. Et moi, je pense que quand tu es consultant à ton compte, personne ne va te donner le titre si toi-même, tu ne commences pas à le croire, tu vois ce que je veux dire? Exact. Tu arrives à un point où tu te nommes expert. Et après ça, c'est comme le feedback, c'est les gens qui vont te dire, ben, yo, pourquoi lui, il se nomme expert? Deux, trois questions posées. Le gars dit, attends, je te reviens dans un mois. Genre, comment? Tu es expert ou pas dans ton domaine? Ouais, exactement. Non, moi, je pense que c'est, tu te nommes une fois, et après ça, tu attends le feedback des gens. Et au fur et à mesure que tu as le feedback des gens, ben, ils vont croire en toi, puis ils vont voir le résultat d'un expert. Puis tu sais, pour revenir au cas de la personne que lui, il n'était pas à l'aise à mettre expert parce qu'il trouvait que c'était trop arrogant, que le monde allait le juger. Je peux comprendre ce point de vue-là parce qu'à un moment donné, moi aussi, j'avais la misère peut-être à me positionner comme spécialiste, expert. Ouais. Parce que j'avais le même raisonnement comme « Ah, ils vont penser que je suis trop arrogant, je ne sais pas si, je sais ça. » Puis ça a été un collègue avec qui je travaille, Mathieu, que lui, il me disait comme « Tu sais quoi? » Shout out Mathieu. La chef dansante. Café-mé. Il va rire quand il va voir ça. Clair. Mais tu vois, lui, il me dit à un moment donné, comme, yo, il faut vraiment que tu arrêtes de te voir comme tu es correct. Comme, j'ai vu qu'est-ce que tu es capable de faire. Tu n'es pas juste correct. Tu es un expert en qu'est-ce que tu fais. Puis, ça m'a touché d'une certaine façon. Ça m'a fait réfléchir comme, il faut que tu commences à assumer ton rôle. Mais fais attention, parce que les experts, il y a eu beaucoup d'experts. Expert à parler n'importe quoi. Ouais. Parce que le problème, c'est que là, des experts, des coachs. Ah, oh, les coachs, j'en ai vu plein. Comme, pourquoi des coachs? Ouais. Pourquoi t'es un expert? Je veux voir les résultats, je veux voir ta fiche, vraiment, tes rapports. Ça, ouais. Fait que c'est là qu'il faut faire attention parce qu'il y a du monde qui exploite le terme trop facilement comme. Je suis président CEO, directeur CEO. Général. Ouais. J'ai vu ça sur la carte d'un dude qui a lancé une startup. Président CEO, directeur général. Je suis comme, ouais. De quoi? Ouais, moi, j'ai vu, il disait que c'était un truc sur LinkedIn, je pense que j'avais lu. Là. Puis c'est comme, genre, il dit aujourd'hui, les titres, c'est comme, t'as un titre président, mais t'es chez vous. Là. Ouais. Tu fais du trading forex et tu prends le président de gestion de l'économie, ouais. Shit, là, gros bail, là, comme. Arrêtez, yo, mec, t'es chez toi en train de faire des petits claques là-bas. Mais je vais quand même donner ça aux entrepreneurs, c'est que. Comment je peux dire ça? Comme je reviens au point tantôt, quand tu es entrepreneur, il n'y a personne au-dessus de toi qui te dit, genre, t'as tel poste maintenant, ou tu mérites tel comme récompense, ou tu atteins tout ça, tu vois le dire. Mm-hmm. C'est toi-même qui dois être, comme, oui, tu dois être réaliste, mais en même temps, tu dois être ton premier motivateur, tu vois le dire. C'est toi qui dois reconnaître, je suis rendu où, comparé dans le domaine où je suis où, est-ce que je suis capable de produire tel résultat, ouais. Donc, c'est toi-même qui va devoir comme fly up, tu vois ce que je veux dire. Puis, vous n'avez pas le choix de le faire, les entrepreneurs. Il n'y a personne qui va venir vous dire, ah, ça vaut comme tel titre, tu vois, je ne sais pas. Ouais. Par contre, il y a un truc que moi, j'utilise souvent. Quand tu dis les imposteurs, là, moi, je suis un imposteur, indirectement. Parce que regarde, moi, quand j'ai pour le restaurant tacos, on porte différents chapeaux, tu vois, quand on parle. Donc, des fois, je faisais affaire avec une grosse firme qui acquit beaucoup de centres commerciaux. Mm-hmm. Donc, quand je discutais avec elle, comme à la fin de mon courriel, je mettais Alexis Joël, soit je disais, développement des affaires, tacos, nachos. Je le mettais pour que indirectement, you know, s'ils savent à qui ils parlent, tu vois. Puis d'autres fois, ben, je vais avoir GoPromo. Donc, je suis là, qui fait toutes les impressions du restaurant de tacos. Mais lui peut confirmer quand je lui envoie un courriel, j'écris Alexis Juarez. En bas, j'écris représentant marketing tacos nachos. Donc, ça, c'est juste pour dire, comme, je me nomme pas expert en rien, mais c'est juste pour dire que je mettais comme, si je discutais une opportunité d'affaires, je me mettais comme président,
si je mettais comme affaire marketing, je mettais comme position marketing, tu vois. Mm-hmm. Mettais les chapeaux différents. Donc, c'est imposteur, oui, oui, non, oui, mais ça reste que changer mon titre par rapport à la personne avec qui je faisais affaire. Est-ce que à c'est imposteur? Courriel, non, parce que j'étais vraiment le gars qui faisait marketing. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Fait que je sais pas si c'est imposteur, mais non, je comprends ce que tu veux dire. Ah. De toute façon, c'est Hugo, je vois, son petit fait du marketing, mais juste quand je vois des petits courriels comme ça, je me permets de mettre en temps en marketing. Petit frère, t'es, ouais. T'es junior marketing. C'est junior marketing, c'est ça, ça. Écoute ça, va. Ouais. Non, je suis directeur. Good, sinon, man. Sinon, dis-moi, à part être expert en marketing, qui est Ray? Ray, il est créatif. Créatif. Créatif, j'aime le terme créatif. Ouais. J'ai une anecdote par rapport à créatif, mais c'est pas une anecdote, je dirais, c'est plus un questionnement. Moi, selon moi, la créativité, c'est quelque chose qui est inné en l'humain. Tous les humains, je pense, que sont créatifs. Puis là, je me suis questionné, est-ce que tout le monde est créatif vraiment? Est-ce que c'est vraiment un talent être créatif? Puis, j'ai réalisé ça avec auprès de quelqu'un que. J'ai dit, c'est, est-ce que tu es créatif? La personne a dit, non, je suis aucunement créatif. Comme, OK, intéressant. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu es aucunement créatif? Genre, t'es pas capable de, est-ce que tu es capable de développer, on va dire, des concepts qui sont, on va dire, out of the box? Puis exactement comme il dit, j'ai la misère à vraiment essayer de voir certaines choses, on va dire, un côté plus artistique, si je pense que créatif peut dire ça. On peut peut-être surtout le voir dans le côté tout ça, de l'art. Mais c'est quelque chose aussi que moi, je me considère beaucoup créatif. Je suis capable de sortir de la boîte. OK, nice. C'est pas évident de sortir de la boîte. Non. J'ai eu un cours sur ça au HEC. On a eu un cours, c'est super intéressant. C'est comment think outside the box. OK, il y a un cours. Il y a un cours que. Puis c'est pas évident. Il faudrait que je revoie la théorie. Le plan de cours et tout, là. Mais regarde. Ça, c'est super intéressant. Yes. Parce que le gars, il nous a donné un exemple. Il nous parle de l'aspirateur. Okay. C'est comme, comment tu es capable de designer un aspirateur qui est différent? Le prof nous dit, designer l'aspirateur. Fait que là, tout le monde commence à réfléchir comme, OK, ben, je suis peut-être dans le fil, un aspirateur Wi-Fi, mais je mettrais le sac là ou peut-être pas de sac, ou whatever. En tout cas, il y a eu tout plein d'idées qui sont sorties. Puis là, il nous a présenté le Roomba. C'est quoi un Roomba? Non, c'est pas. Un Roomba, dans le fond, c'est que c'est une compagnie qui ont design un robot aspirateur, mais c'est ça, ils ont complètement changé la shape de l'aspirateur. OK. Un aspirateur, on sait déjà à quoi ça ressemble. Pensez à un aspirateur. Je vois un tube. Un levier. Off, ouais, exactement. Là, genre la machine en bug, le sac, that's it. Moi, c'est ça que je vois un aspirateur. Mais eux, le Roomba, c'est un disque. Ah, le truc que je vous... Ouais, exactement. Ah, ouais. Okay, puis là, on a parlé de ce sujet-là comme... Ça, c'est une compagnie qui a pris un objet commun qui a maintenu le même design depuis qui a été inventé. Puis, ils lui ont donné vraiment un design complètement différent, mais avec les mêmes spécifications. En plus, c'est même plus au-delà que le design. C'est la fonction, genre, il marche tout seul. Exactement. Tu vois? Tu pèses un bouton, on, il part, ça part là. Tu vois? Il n'y a plus l'action humaine de je veux moi-même aller, tu vois? Ouais, exactement. Fait que c'est ça, c'est comme, c'était ça à la base, comme vraiment qui voulait nous emmener. Est-ce qu'on est capable de prendre un produit qui est très commun et le flip dans quelque chose qui est complètement différent? Puis en part, c'est ça, l'aspirateur que. Même Dyson, on dit, c'est le plus gros maker. Ça, là. Les designs sont quand même restent pareils. Ouais. Ça reste la même chose. Puis, donc, les personnes encore, on dit, jusqu'à Roomba, il a vraiment réussi à créer, on dit, chose différente. Ouais. Fait. Moi, je dirais que même dans le domaine de la construction, là tu en parles, je suis beaucoup dans les chantiers de construction. Je vois des choses là, comme archaïques. J'étais comme, pourquoi on fait ça encore? Tu vois, je veux dire? Comme. Par exemple, on fait les joints, OK? C'est exemple, tu montes des murs en bois ou en stone métallique, tu mets la laine, tout ça, tu mets ton gyps. Quand tu mets ton gyps, tu visses. Et quand tu visses tes gyps, ben, il va rester les trous des gyps et il va rester la ligne qui est comme le joint entre les deux gyps. Tu vois? Et là, comment ça fonctionne? Ils mettent du papier, ils vont mettre du plat, une couche
Après ça, tu viens sabler. Deuxième couche, tu viens sabler. Troisième couche, tu viens sabler. Trois couches, c'est énorme. Moi, j'aimerais ça arriver avec un produit là, tu arrives là, produit avec des combinaisons chimiques là, une couche, tu frottes une fois. Ouais. Yo, l'argent que ça coûte là, l'argent que ça, le temps que ça prend là, c'est énorme. Ouais, tu sais, t'as qu'une pièce là, t'as minimum besoin comme deux gars, trois gars à le faire. Tu vois. Et pas seulement, c'est pas trois gars une journée, ils reviennent trois fois. Donc moi, Shada, quelqu'un peut m'inventer un truc de même, je me dire si où le mélange qui existe déjà là, inbox, n'importe, dis-moi là. Là. Moi, je suis le premier à investir sur l'invention, là. Un seul produit. Tu vois, ça marche une seule fois. En construction, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anciennes méthodes. Et je vois tranquillement des avancées technologiques, mais c'est encore très. Fait que, en revenant à la créativité, c'est exactement, il y a des domaines que y en ont besoin de créativité. Moi, personnellement, je pense que c'est une de. C'est une des talents et forces que je me dis, que je me vends, que je vends le plus. Comment prendre rien puis en faire quelque chose? L'expérience. C'est vrai. Yes. On va faire des limonades. Des limonades. Des limonades jaunes, des limonades roses, des limonades roses. Bon, pour être l'équilibré, il puisse encore mieux te cadrer. Là. Dis-moi, tu as grandi où? Oui. Tu as grandi à Montréal, au Québec? Partout. Partout? Partout. Comment ça, t'es un voyageur? Ou... Moi, je suis un enfant de la terre. Explique ça, là. Dis-moi, t'as grandi dans quel coin? J'ai grandi à Saint-Léonard. Saint-Léonard? Anjou, Saint-Léonard. OK. Depuis le début, t'as fait des voyages un peu? Puis après, je suis parti dans le Bronx. Où ça? New York. Wow. NY, baby. All day, every day, pour ceux qui savent. Tu fais des shout-outs à quelqu'un du Bronx? Yeah, all the cousins. All the cousins. I left still in the hood. Et sinon, à tous qui sont toujours là-bas. Nice. Je vous souhaite le meilleur. Vous ne comprenez pas ce que je dis, ben, je veux dire, I wish you the best, guys. Mais oui, fait que j'étais aux States. J'étais aux States. J'étais à New York. Une belle expérience? C'est une excellente expérience. Je pense que les States, tellement que c'était dur, ça bâtit vraiment une carapace. Ben, tu sais, pas une carapace, mais. T'as forgé? Ouais. Non? Ouais. Nice. De quel âge, comme ça les gens peuvent voir hein. C'est quoi la période où tu étais aux States, tu es revenu ici. 9 à 16. 9 à 16, oh, quand même, c'est la crise d'adolescence. Ouais. Oh, c'est où est-ce que, oh shit. Donc, on rentre-tu dans la crise d'adolescence? Non, pas trop. Hein? Pas encore. On va parler de ça en d'autres choses, vous allez voir. Ça, okay. Donc là-bas, pour comprendre, t'as été forgé là-bas. Ouais. Après Laval. Après Laval. Puis là, on est où ici, là? Explique-nous, là. C'est Yellow Seats, ça vient d'où? Yellow Seats. On est où? On est au Québec. On est au Québec. Wow. Puis où exactement la place? C'est-tu, on garde ça secret? On est à la Rive-Nord. Rive-Nord. OK, pour les curieux, Terrebonne. Alors, ça finit là? On arrête ça là. Du punch. Ah, fuck. Okay. Ouais, on est à la Rive-Nord. Rewind, c'est like that. OK, tu dis ouais. Où, pas à Terrebonne? Non. OK, pas à Terrebonne. Non, on n'est pas à Terrebonne. On n'est pas à Terrebonne. Anyway. On est là où les chaises jaunes sont là, voilà. Exactement. Puis toi, quoi ton come up? C'est où tu as grandi? Ça fait peur, come up, ça fait comme sortir du closet. Tu vas, c'est où ton come up? T'es sorti de où, toi? Regarde, tu sortais du closet au podcast numéro 1, je pense que... Number one, comme, ben, shit, on est allé dur, le premier. C'est ça. C'est quoi la question, Mona? C'est quoi la question, hein? OK, ben, d'où tu as grandi? Où j'ai grandi? J'ai grandi, shout-out à tous mes boys de Côte-Vertu. OK, un Côte-Vertu. 6-4, 128, et tous les autres lignes d'autobus qui passent par là. Quartier-ville. OK, je connais. C'est carrément ouest-ouest. Donc, de la jeunesse, c'est-à-dire primaire, secondaire. On a 5, arrive au cégep encore là, cégep en 6, shout out à tous mes boys qui ont skip pour aller les mardis, qui n'allaient pas au cours, shout out. Et toutes les, en passant, ça c'est une blague, j'ai comme une petite parenthèse là, t'allais en 6, mon gars, ça c'est que tout le monde va confirmer, t'allais en 6 là, les deux premières semaines, tout le monde était motivé, mon gars, tu voyais plein de gens débarquer, les gars ils étaient. Il y avait faim, il y avait des filles en
talons. Oh mon gars. Et nous, on faisait comme, comment ils font pour monter les marches? Comme, yo. Et ça arrivait deux semaines après. Il n'y a plus personne en cycle. Moi, on avait lâché, refusé. Yo, c'était mort, là. Yo, c'était... Et en passant, à tous les gens qui ont été intimidés par les regards de tous les immigrants assis au milieu, shout out to them also, OK? C'était intimidant de passer en cycle. Yo, tu marchais, là. Il y avait comme une file de personnes qui jugeaient quand tu marchais. Ouais, je vois le faire. Tu vois? En tout cas, shout out to ça. J'étais en cycle. Non, j'ai toujours été gardé à Montréal, Je suis content que je déménage à Rive-Sud. Sur là, après ça, South Shore, Long Beach, on est là. Il y a quelque chose que je veux amener, juste une parenthèse comme ça. Vas-y. Parce que tu parlais de ton truc du cinéma. Ah oui, c'est ça. Tu es comme. Ok, ok, je suis une canon. Ok, j'ai fait la correction. Attends, mais qui dit pas que j'ai pris le bois pour aller travailler? Non, je sais pas. Moi, je suis en train. C'est la seule chose qui vient en tête. Now I know where not to go. Non, c'est Spertec, 121 Terminus, c'est la vertu. Tu as dit qu'on vertu, comme moi, hein? Ouais. Allez au cinéma, je peux juste vu. Non, c'est ça. Oh, aussi, shout out à tous les gars qui ont joué sur queue, pieds nus, pas pieds nus, juste en face de la montagne, là. Shout out à tout Kiki Catalan qui a organisé des gros événements. Yo, là-bas, c'était des fous tournants qu'on faisait, là. Il y avait comme quatre équipes qui ont fait des rotations. C'était l'ambiance, c'était la FIFA, mon gars. Tu es toujours soccer? Hein? Ah, un peu moins. Un peu moins. Occupé. Occupé à d'autres choses. Voilà. Donc, c'est là que j'ai grandi là-bas. Puis, voilà. Tu sais, je t'avais posé la question. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu vois? Puis, je peux embarquer un peu dans le sujet. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. C'est une question que j'aime qu'on me la pose parce qu'on dit que je ne réponds jamais à la question. Ou je réponds pas à l'attente de la question, tu vois. Soit des fois, je vais à des 5 à 7, et on pose la question, puis qu'est-ce comme, en passant, Alex, je te présente telle personne, je suis là, salut, ça va. La question qu'on me pose, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est là, moi, je commence à tricky question, tricky answer, tu vois. Je dis, ben, j'aime voyager, j'aime lire, je suis avec une famille, puis de temps en temps, je fais du sport, sinon je travaille en général. Et la personne est comme juste un peu offusquée, là. Je suis comme, yo, t'as pas répondu à la question. Je dis, non, calme grosse là. Elle me dit, tu sais quoi que tu fais dans la vie? Je dis, mais je viens de répondre. Elle me dit, ouais, mais comme ton travail. Je dis, ah, ok. Mais mon travail, ma tête, c'est comme, yo, mon travail ne définit pas. Sinon, ça serait quoi? Tu vois? Ok, à ce sujet-là, c'est quoi les meilleures questions à poser à un étranger dans un 5 à 7? Ben, tu vois, moi, je suis le genre de personne qui va rentrer dans les genres, je donne un conseil là. Dans le genre de questions qui va me permettre de comme, positionner un peu la personne selon la place où je me retrouve, tu vois. Donc, exemple, si je suis un 5 à 7 professionnel, ben, je vais demander à la personne, tu travailles pour quel... Ben, je vais te parler comme « Salut, ça va? » Je ne vais pas demander « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Ça ne m'intéresse peut-être pas. Je vais plutôt faire comme « Tu travailles pour quelle compagnie? » Comme ça, je le situe dans ma tête. « Ok, c'est-tu un consultant? C'est-tu un entrepreneur général? C'est-tu un gars qui un développeur immobilier? » Si c'est un développeur immobilier, dans ce cas-là, je vais poser des questions comme « Ok, nice, est-ce qu'il y a des terrains disponibles à Montréal? » Tu vois, là, je vais comme centrer ma discussion et je vais éviter les questions qui sont trop générales, qui risquent de rendre la discussion comme fade, tu vois. Les gens, ils aiment parler de eux, ils aiment parler de ce qu'ils font. Donc, moi, je vais centrer la discussion par rapport à eux, travail, je suis un 5 à 7 professionnel. Dans une situation autre que je suis à un restaurant, je suis avec ma copine, elle me dit « Yo, je te présente Mike, Alex. » Les gars, je ne les connais pas. Moi, je vais poser la question. Je ne vais pas poser la question qu'ils sont dans la vie en attendant une réponse de son travail. Je vais dire la question dans la vie tout court. Là, il va me répondre ce qu'il va me répondre. Mm-hmm. Si je vois qu'il parle juste de son travail, là, je sais que lui, c'est une personne que sa vie se définit par son travail. Okay. Là, je vais poser d'autres questions comme dire, as-tu des frères et des sœurs? T'as grandi dans quel quartier? Lui, au Montréal, je pas au Montréal. Là, c'est un peu cliché, mais tout dépendant où tu as grandi, tu peux au moins les placer, tu vois, je veux dire. Quand tu me dis couverture, là, direct, tu peux placer une image, mais c'est pas simple. Tu juges un peu, mais moi, ça te permet au moins de placer les cartes, tu vois. Ouais, non. Puis j'ai vu un truc aussi, vraiment, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui est tricky. Que, c'était un doute qui parlait de ça, de les meilleures questions à poser parce que c'est trop basic, genre, poser cette question-là. Qu'est-ce que tu fais de la vie? Est-ce que ça va? Comme oui, tout le monde va dire oui, ça va. Comme, il faudrait qu'on change la tonalité de quel type de question. Puis lui, il est allé dans un autre bulle où est-ce que
est-ce que je poserais vraiment cette question-là? Lui, c'était, il rencontre quelqu'un 5 à 7, comment, salut, moi je me présente Ray. C'est quoi quelque chose que tu aimerais, que tu regrettes de ton travail puis que tu voudrais genre, changer? Ça, là, c'est direct, allé, là. Ouais, il est allé comme, oh! Ouais. Est-ce que tu poses une question comme ça? Ben, je te dirais que j'avais lu un livre, où, j'ai même lu un livre de Malcolm, puis un vidéo qui faisait YouTube, là, qui expliquait ce genre de questions. Et justement, ça dérange. Ça dérange. Pas que... négativement. Non, mais ben, c'est comme... Les personnes, tu viens de déstabiliser. Ouais, t'es comme, oh shit, je m'attendais à parler de ma job. Là. Ouais, c'est ça le monde. C'est ça que je dis, le monde qu'on définit souvent par leur travail. Donc, ça limite les réponses. Mais quand t'arrives, genre, comme, toi, qu'est-ce que tu penses de la mort? Yo, tu vois juste les faces comme ouais, ça c'est. Oh, j'ai pas vraiment pensé, mais là après, tu vois que leur cerveau il commence à faire comme toutes les expériences vécues. Est-ce qu'ils ont rien à voir? C'est triste, c'est comme ça, c'est nanana. Là, ils rentrent personnel. Parce que les gens de. Moi, je pense que quand tu poses des questions comme ça, tu viens chercher l'inconscient de la personne. T'as dit tantôt un mot qui disait comme t'as dit carapace, mais t'as dit peut-être pas carapace. Mais quand les gens ils posent une question, tu ne connais pas la personne, tu vois avec la première ligne qui est les réponses standards. Mm-hmm. Oui, je travaille dans ça. Non, je ne travaille pas dans ça. Oui, je fais ça. Puis je conduis telle auto. Point okay. Final. Mais les autres questions qui rentrent comme c'est quoi ton plus haut regret dans ta vie? C'est quoi ton plus haut regret professionnel? Ouais, admettons, si on reste dans le côté business. Comme, c'est quoi ton plus haut regret professionnel? Tu devrais l'essayer. Pour eux qui écoutent, c'est quoi? Pensez à une question. Il faudrait qu'on pense à la. OK, le prochain. Non, mais là, tu as une question qui dirait. C'est quoi ton plus gros regret professionnel? Ouais, on va dire ça. Puis, exemple, tu dirais, si tu pouvais changer de job et prendre n'importe quel job de ta vie, tu ferais quoi? Ah, ça. Tu vois les yeux, là, briller, là. Ça, OK, boom, that's it. Ça, c'est la question que je pense qu'on va essayer de motiver les personnes à. Je donne des petits trucs, là. Quand tu poses ce genre de questions. Oh, shit. Okay, les ça, gens, j'aime ça. Les gens, ils sont genre. C'est une belle question, ça. Non, mais les gens, ils oublient la première ligne de protection. Et ils rentrent dans l'imagination, puis c'est comme, ils t'entraînent, ils te speech, ils te disent, j'aimerais faire ça, je vais lâcher ma job, je partirai en Afrique, je vais aider le monde, je vais faire ci, je vais faire cela. Puis tu les entends parler, là, tu vois, les yeux, c'est pas quoi. Mais ils oublient que t'as un inconnu, des fois. Mm-hmm. Mais c'est très intéressant parce que ça, c'est comme, tu sais, que je fais un lien avec ça. Moi, je voyage beaucoup de style backpack, tu vois, dans les hostels et tout ça. Et quand tu voyages, tu rencontres des gens, genre, une semaine. Après, tu ne les vois plus. Des fois, c'est 2 jours. Tu rencontres quelqu'un 2 jours. Hey, what's up? Tu veux aller manger? Ouais, c'est bon. Tu rencontres beaucoup des gens comme ça. Et tout le monde qui font beaucoup de backpack, ils vont te dire, quand tu rencontres quelqu'un, tu as peu de temps de faire une connexion. Donc, tu t'ouvres plus rapidement. Mm-hmm. C'est comme une semaine, ça représente un an. Après ça, yo, tu vois, les gens, ils restent attachés à ces gens-là. Ils envoient des photos. Le gars est en Allemagne, tout au Québec. Ouais, tu dis, what's up? Même les filles, tu es comme, yo, ça va, comment ça se passe? Yo, je viens de me marier, mais ça fait une semaine que tu l'as connu. Mais t'as permis à l'autre personne de te connaître à 100% dans ce délai de temps, tu vois. Donc, moi, j'ai les genres de questions pour revenir aux questions. Quand tu poses ce genre de questions, les gens, ils oublient leur niveau carapace, ils s'ouvrent à toi, la discussion devient enrichissante et là, il y a un meilleur échange. Sérieux, je vais la poser cette question. Prochain happy hour, je vais, inconnu, je vais la poser la question. Si tu pourrais changer de ta job aujourd'hui, ça serait quoi que tu ferais? Ou même ça, et qu'est-ce que tu changerais de ta job? Qu'est-ce que tu voulais changer de ta job? Ouais. Qu'est-ce que tu améliorerais, tu vois? Oh, yo, tu viens exact te déstabiliser. Parce que les gens, ils aiment ça, tu vois. Ils ont des opinions, là. Tu vois, ils vont dire, ah, oh, moi, ma job, je ne ferais pas comme ça, je la ferais comme ça. Tu vois la créativité, et c'est là où tu vois la beauté d'une vraie question. Qu'est-ce que j'aime de cette question-là? C'est que si dans un contexte professionnel, tu as un happy hour, tu es là pour faire des connexions, puis peut-être trouver, genre, vraiment faire des liens de business. Avec une question comme ça, c'est sûr que tu viens de marquer la personne. C'est sûr que la personne, elle ne va pas t'oublier. Puis peut-être même, elle va retourner ce soir, parler à son partenaire, puis dire comme, yo, genre, là, le dude, là, on pose une question super bizarre, mais super intéressante. Ouais. Puis ça reste marqué parce que c'est des genres de questions que nous comme personne, nous-mêmes, on ne la pose pas. Des fois, on ne la pose même pas. Quelqu'un d'autre vient de la poser, ça vient de créer comme une petite semence, comme, damn, j'avais pas pensé à ça. Parce que je suis vraiment heureux à ma job. J'ai tellement de choses à changer. C'est la bonne job. Là, tu vois, le questionnement se pose, ça te dérange. Mais c'est juste une question, tu vois. Et moi, je veux dire aux gens, poser des questions, c'est un art. Dans le fond, ça, c'est un art. J'allais dire juste comme ça pour niaiser. Là.
Dans le fond, la personne qui poste ça, c'est un recruteur. C'est ça, là. Non, mais en passant, c'est quand je dis que c'est un art, parce que, de C'est un, vrai, ça. quand tu poses une Oui. question, il faut que tu aies l'intérêt à la réponse. Puis. Parce qu'il faut parler des choses qui vont comme, qui sont pas présentes dans la question, mais exemple, je te pose la question, hey Ray, tu changerais quoi ta job? Là, tu me parles, puis je t'écoute même pas. Parce que la question est bonne, mais tu n'as aucun intérêt à la réponse. Ouais. Tu vois, je veux dire, ou quand tu poses ce genre de questions, qu'est-ce que tu veux découvrir? Moi, je te pose une bonne question. Qu'est-ce que tu veux faire avec la réponse? Ça dérange les gens. Tu viens me déranger, qu'est-ce que tu veux? Regarde, on pose la question Moi, là. Tu poses une question comme ça, tu as un 5 à 7, qu'est-ce que tu veux créer? ce que je veux voir, c'est je suis une personne qui observe beaucoup, fait que je vais beaucoup analyser, on va dire, ton enthousiasme à répondre à la question, aussi voir comment tu es débalancé, mais aussi comment tu réponds à la question si tu me dis, ah, comme ça, j'aurais voulu être ça, puis ça finit là, puis il n'y a pas de développement. Tu sais quoi? Ça me dit beaucoup sur toi. Ouais. Tu es très fermé. Soit tu es aucunement ouvert vraiment à l'échange. Mais c'est le genre de questions qu'il va avoir tendance, même quelqu'un qui a peut-être passé une mauvaise journée, c'est une question qui va pouvoir beaucoup ouvrir la personne à l'interne vraiment Ouais. à... Puis. Mais si c'est moi une question assez ouverte comme ça, j'analyserai vraiment tous ces points-là. Ouais. Comment il va livrer ses réponses, comment il va communiquer, le temps qu'il va prendre pour réfléchir, parce que c'est sûr que l'enthousiasme derrière. Puis aussi, tu sais, après ça, tu peux commencer à enchaîner. Ouais. Parce que ça me permettrait peut-être de commencer à lire la personne vraiment comme OK. Genre, je t'ai pas demandé où est-ce que tu travailles encore, mais parce que tu me dis, je pense que j'ai commencé à voir dans où tu travailles. Puis là aussi, moi, sortir une anecdote par rapport à ce que tu me Ouais, dis. on va enchaîner la Ouais, discussion. exactement. Puis ça fait partie de la base de vraiment devenir un excellent communicateur, poser des excellentes Ouais. questions. Donc, tu vois, moi, exemple, j'aimerais comme développer ce côté-là comme consultant entreprise. Et moi, quand je pose ce genre de questions, c'est comment je peux aider la personne indirectement sans qu'elle me dise qu'elle a besoin d'aide. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, je pose des questions, et là, elle me répond genre, ah, ben, si j'avais à choisir une autre job, elle, que c'est là, je ferais ça, tu vois. Là, j'enchaîne deuxième question. Et qu'est-ce qui t'empêche là? Tu vois? Ça fait comme, damn, là, pourquoi le gars Wow, continue là? c'est une Elle va dire, obsession. ben, elle va me Tu dire, viens de genre, connaître. exemple, ben, en ce moment, je viens d'acheter une nouvelle maison, ma femme est enceinte, j'attends un nouveau bébé. Donc, ce n'est pas le meilleur moment, tu vois, pour commencer à switch de travail. So, moi, je dis à lui, OK, mais tes soirs et tes week-ends, tu fais quoi? Là, il me dit, ben, tu sais, week-end, je fais rien, je me repose, je suis à la télé. Je dis, OK, mais est-ce que tu pourrais comme réserver un peu de temps à comme juste pratiquer une petite activité, genre 1 heure le samedi, en quelque chose que tu aimes faire? Tu vois ce que je veux dire? Là, les gens sont comme, oh shit, c'est pas fou ça, tu vois? C'est comme baby step à ce que je veux en venir. Jusqu'à temps que ça soit assez payant, comme mes soirs et week-ends deviennent tellement comme rentables que je peux lâcher ma job officielle, tu vois, sans affecter la maison, sans affecter le fait que le bébé revient, tu vois. Donc moi, je cherche toujours, comme tu as dit au début, je suis toujours à la recherche de comment je peux aider les gens. Et des fois, quand je pose ce genre de questions, je dis, est-ce que la personne devant moi, est-ce que moi, je peux leur apprendre quelque chose? Ou même quand tu poses une question, c'est parce que tu veux apprendre quelque chose aussi. Donc, je profite des deux côtés de dire, soit je peux apprendre quelque chose de lui, ou en même temps, est-ce que moi, je peux leur apprendre quelque chose? Non, d'accord. Mais tu sais, comme moi, dans mes meetings que je fais avec des prospects, des nouveaux futurs clients, la première question que je pose tout le temps, c'est quoi ton objectif? Ouais. Puis là, comme, puis parle-moi pas que tu veux faire plus de ventes. Je le sais, ça. Ouais. I know that. Puis c'est ça. Ça ouvre beaucoup de choses. C'est une question assez. Tu sais, la prochaine question que vraiment je vois, c'est qu'est-ce que tu veux améliorer? Puis ça, c'est vraiment mes questions, mes deux questions top base que dans ma business, je vais poser. Fait que là, avec ces deux questions-là, je sais déjà quelle direction on va aller. Puis ouais, fait que c'est. Non, mais c'est la seule manière d'apprendre à connaître quelqu'un, c'est sûr que tu as le non-verbal, tu vois, comme les gestuels des gens, là. Tu vois, les gens avec qui je fais beaucoup affaire dernièrement, ils voient tout de suite, là. Tu vois, moi, quand quelqu'un qui est comme ça, quelqu'un me parle, je parle à la personne, j'ai toujours, yo, tu peux-tu, comme, ouvrir tes bras, s'il te plaît? Il me dit, pourquoi? Parce que ça c'est comme un signe que tu es fermé. Je sais pas pourquoi. Tu vois, c'est un réflexe. Donc, peux-tu t'ouvrir à moi? La personne fait comme ça, et là, après, tranquillement, je parle, je vois qu'elle sourit, tu vois. Parce que comme indirectement, il faut aussi apprendre le non-verbal. Et aussi, c'est comme un gros sujet, là, comme discussion entre deux personnes, les types de questions, le non-verbal que tu veux donner,
Est-ce que tu veux vraiment apprendre quelque chose ou tu es juste poli en disant comme, hey, ça va, tu fais dans la vie? Ok, je m'en fous. Ah ouais, intéressant. Ok, ben, c'est qui ça, tu vois? Il y a une approche psychologique pour vraiment pour gérer, on dirait, les bras croisés. C'est de imiter la personne. Ouais, c'est bon ça. Fait que si la personne a les bras croisés, fait que va devant, tu croises les bras. Sur l'effet miroir. Exactement. L'effet miroir, c'est exactement comme ça. Fait que la personne va se sentir comme un peu mal à l'aise, comme. Pourquoi tes bras? Fait, elle va ouvrir, fait que tu l'ouvres. Oh, ouais, ouais. Tu vas toucher. Même le ton de voix. Ouais. Doucement, elle crie, elle crie pas. Tu t'embarques dans. Essayez-le. C'est le caméléon. Oh. On va prendre ça? Mmh. On est comme ça, les deux? Mmh. Bon, alors, c'est ça pour aujourd'hui. Numéro un. Numéro un. Donc, maintenant que vous nous connaissez un peu mieux, Ray, Kim Marketing, Alexis, pas expert encore, mais bientôt. Tackle Man, Construction Man, Engineer Papi. Alien Marketing, baby. Alien Marketing. All day, every day. Et de la plancha. De la plancha. Vous avez compris. Puis ça, c'est numéro un encore là. Merci à tous. Vous avez écouté ça. Merci encore à Sophie Brochu. Sophie Brochu. Pour, après ça, il y a d'autres types de... Allez voir son site web. Vraiment cool. Happy Moments. Fait que, excellent. Regardez, c'est une bonne façon d'ouvrir les conversations. Lance deux questions. Vas-y. Comment? Prends deux questions, lieu public. Comme ça, ils vont pouvoir répondre dans leur tête, à leurs copines, partager. Copain. Ou quelque chose que vous pouvez faire, aller un 5 à 7, amener la box Sophie Brochu. Comme... Salut, ben raconte-moi un projet sur lequel tu travailles ou l'une des tâches quotidiennes que tu aimes particulièrement. Ouh. Tu vois, ça là, des questions 5 à 7, tu prends note, tu l'écris dans ton blog, tu fais comme ça, tu checkes la question et tu fais OK. La personne est comme, what the fuck. Ouais. Hey people, merci à tous. Merci. Puis on se voit à la prochaine et vous allez voir que on va juste continuer à monter le ton un petit peu plus. Ça va devenir super intéressant. On va encourager l'économie locale, Québec, all day, parce que... All day, every day. Vous savez tous, Alien Marketing, baby. Wow. TNT. Yo, shit. Let's go. Get it.